Un labrador qui amène son maître naturellement dans le rayon à croquettes. Donc vous êtes malvoyant. D'accord, ok. Et il s'appelle comment votre chien? Bulle. Et il vous accompagne au quotidien? Ah, tous les jours. Je vais même à Paris avec elle. Et ce qui est bien aussi, même sur le trottoir, elle évite les obstacles, parce qu'il y a souvent les pierres, vous savez, pour que les voitures ne se gardent pas dessus. Ah d'accord, ok. Ah oui, on m'évite tout ça pour traverser. Retiens ta comme un mot, donc je lui dis à droite, elle va à droite, je lui dis va à gauche, elle va à gauche. C'est magnifique. Ah oui, elle a quand même 2 ans de formation. Hein. Tous les chiens de guide ont 2 ans. 2 ans de formation. Ah oui. Alors, la formation, elle a effectué donc chez un professionnel, dans une école, oui, je suppose. C'est l'école chien de guide de l'Ouest. Ah d'accord, ok, je vais essayer de zoomer ça, si on peut. Bonjour toi. Donc, et déjà alors... au départ, elle est à la famille d'accueil. D'accord. Non. D'accord. Élevée avec les enfants, habituée avec le contact social et tout ça. D'accord. Et au bout d'un an, passe à l'école pendant 2 ans. Et moi, Et vous, en fait, vous arrivez, vous récupérez le chien, c'est ça? Le chien formé. Oui. Formé. Ouais. Mais auparavant, vous ne choisissez pas le chien, on est bien d'accord? Si, je choisis... la race que je veux. D'accord. Mais bon, j'ai pris labrador parce que c'est plus social. J'aime les bergers allemands, ils le font en berger allemand aussi. Hein. Mais les gens ont peur du berger allemand. Ah. Ah oui, si je prends le train, le métro, les gens ont peur. Ça provoque une panique des deux côtés aussi bien que le chien. Et les gens, c'est ça, c'est embêtant. Et là, elle, avec elle, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai reçu une formation avant. D'accord. Comment? Et elle consiste en quoi, en résumé, pour ceux qui nous regardent justement? Votre formation, elle consiste à quoi? Elle consiste de marcher dans les consignes qu'elle a reçues. D'accord. Par exemple? De toutes les consignes, droite, gauche, ligne, etc. D'accord. Là, par exemple, là, vous êtes dans un supermarché. Vous allez lui demander de vous guider quelque part dans un endroit précis, non? Là, là, pour aller par exemple. Je vais dans les rayons comme tant que je peux voir. Vais dans les rayons qui m'intéressent. Je vais à droite, à gauche. D'accord. Je me dirige. Et après, comme j'ai fini payer, je dis maison. Donc elle connaît le parcours à la maison. Maison, le parcours. Ouais. Et là, elle se dirige. Elle connaît le chemin. Parce que quand je vous ai vu, je me suis dit, le labrador est malin. Et le fait qu'on soit dans un rayon. M'emmène dans le rayon pinard, bon. C'est pas fou. Alors du coup, je me suis dit, le labrador, il est quand même rusé, il nous ramène là où il y a des croquettes. Et encore, là, les croquettes, elles sont ici, mais avant, j'étais de l'autre côté, tout au fond. Hein. Oui, c'est vrai. Et elle connaissait le chemin, je lui dis non. Des fois, je suis obligé de négocier, je dis non, c'est pas là. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Ouais, et donc, c'est quoi? C'est une femelle, un mâle? Ah, c'est une femelle. Hein. Une femelle. Ouais. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. 9 ans maintenant. Ah oui. Ah bah, c'est une belle bête, donc ça fait... si on compte la formation, ouais, ça fait 7 ans. Ouais. Ah ouais. Et encore, comme il disait le maître chien, des fois on présente 4-5 chiens à les personnes qui sont non-voyants ou malvoyants. Alors la raison est simple. Si la personne n'aime pas trop les bêtes, la bête le sent. Parce qu'ils vont prendre le chien pour leur intérêt. Et ça, c'est pas bon. Tout à fait. Il faut que... Ça ressemble énormément de choses, hein, un chien quand même. Hein. Ah oui. Et moi, la première fois qu'on m'a présenté, il y a eu un contact direct. Direct. Ah oui. Incroyable. Direct, parce que moi j'aime les bêtes. Et donc. Et puis des fois elle est malheureuse comme elle ne me voit pas. Hein. Ah, ouais, c'est ça qui est fabuleux. Ah bah j'étais avisé ça, mais bon. Le chien il est utile à 80%, il ne peut pas remplacer les yeux. Oui, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Bon, mais sans le chien, je ne peux pas me déplacer. Sans le chien, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ah ben non. Okay. Sinon, je suis obligé de donner le bras à quelqu'un. Parce que je ne vois pas les photos, je ne vois pas tout ça. Là.
chien. Et c'est le seul chien que vous avez eu ou vous avez eu d'autres chiens? C'est la première fois. C'est la première fois. Ma maladie, c'est tout récent. Bon, ça fait peut-être 15 ans, c'est dégradé de plus en plus, mais ça, c'est mon premier chien. C'est votre premier chien. Le chien de guide. Chien de guide. Ah ouais, incroyable. Et vous vivez peut-être avec des enfants? Vous n'avez pas d'enfants? Vous avez si, des... si, j'ai mon si, vous avez eu des enfants. Un chat aussi avec. D'accord. Ils sont en merveille. Merveille. Ah ouais. Ah, au départ, super. Le chat n'était pas tellement content, mais après, ils mangent côte à côte, ils dorment ensemble, ils chahutent, et puis voilà. Incroyable. Incroyable. Ouais. Puis là, je vais rentrer, le chat, il sera derrière la porte. Ouais. Oh, regardez-moi ce petit toutou. Quand je m'approche, il se lève. Et il a été dans la gabou. Hein? Il a été dans la gabou. Un peu de la liberté. Ouais. Ah, vous le lâchez un petit peu quand même, ah, ouais. Oui, ah oui. Puis bon, c'est une belle bête, hein. C'est une belle bête, et puis elle est très sociable. Et je parie qu'à un moment donné, quand vous êtes rentré dans ce magasin, on a dû vous intercepter. Au départ. Les vigiles, hein. Ouais, ils m'ont embêté. Vous n'avez pas le droit avec le chien. Donc j'ai une carte. Hein. J'ai une carte qui me... Ah ouais? Eh oui, une carte qui nous autorise, et puis comme ils ont vu la carte, ils disent bon, maintenant je suis connu, ça fait 7 ans que je viens avec le chien, ils ne disent plus rien, ils me connaissent maintenant. Et la carte, elle ressemble à quoi cette carte? Je ne l'ai pas pris sur moi, c'est comme une carte de, comment dire, une carte d'invalide, et il y a le chien dessus, ah oui. Il y a la loi. Ah oui, il y a un article. Ah, il y a une loi, hein, si la personne l'interdit, je peux porter plainte contre elle, et puis une amende. Hein. Incroyable. Donc avec le chien, je peux aller n'importe où, sauf milieu médical. Hôpital, par exemple. D'accord. Ah ben c'est normal, hein, parce que c'est quand même... Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose de l'hygiène et tout ça. Hein. Bien sûr. Mais il m'est arrivé, même les chauffeurs de bus m'empêchaient. J'ai obligé de faire voir ma carte. Une fois qu'ils ont vu la carte, ben, ok. Parce que c'est vrai que certaines personnes, pas toutes, ben, ils oublient justement. Ils oublient justement que un animal est aussi utile pour certaines personnes, et il y a des chiens guides comme le vôtre en fait. On n'en voit pas, on va dire souvent, non, comme là ici par exemple, moi je vous ai vu, effectivement, vous m'avez... j'étais ému surtout, c'était par rapport à l'animal qui vous aidait, et ça c'était fabuleux. Et c'est surtout quand elle est venue dans ce rayon-là, et je dis il va falloir que j'aille le voir pour faire en profiter aux internautes qui nous regardent. Ouais. Parce que, voilà, imprévisible peut-être des fois? Non. Bon, je sais pas, mais une chatte labrador est différent, hein. Mmh. Je sais qu'elle est super gentille. Ah ouais, elle est... Même là, à côté de chez moi, il y a plein d'enfants qui m'y allaient faire un football, là, elle est en liberté, les enfants jouent avec elle. Jouent avec ils elle. L'appellent Bulle. Ah ouais, ils jouent avec elle. Même, elle s'amuse avec les chiens. D'accord. Une fois, elle était surprise par un chien qui l'a attaqué. Et moi, j'ai eu ah peur. Bon, ah bon? Ah oui. Ah, mais elle n'est pas habituée, là. Tous les chiens guides, ils ne sont pas habitués à ça. Ah bah non, justement. Alors moi, ça, j'ai râlé après le maître, parce que c'était un chien, comment on appelle ça, de garde, avec la nuit ou je sais pas quoi, là. D'accord. Alors, en général, ces chiens-là, ils sont très méchants, et puis ils ont un enjouement, tu vois, une muselière. Mmh. Alors il a laissé son chien en liberté, comme ça. J'ai dit, mais attendez, vous savez, vos chiens, les méchants, pourquoi vous le laissez? Ah, j'ai eu peur pour elle, hein. Mais bon... Elle n'a pas été mordue, tant mieux. Elle n'est pas habituée à ça. Là. Et là, du coup, pour faire en profiter aux internautes, j'aimerais vraiment bien voir comment vous réalisez votre déplacement avec votre labrador, c'est possible? Oui, bien sûr. Pour tester un petit peu... Je doute pas de les capacités, mais c'est au moins pour voir un peu comment cela fonctionne, en fait. Alors là, je ne vais pas prendre les produits, parce que je devais prendre un produit. D'accord. Alors, je vais arriver là, au bout de l'allée. D'accord. Je vais tirer à droite. Donc, d'accord. On va tourner à droite. D'accord. Je vais tout droit, on va tout droit. D'accord, ok. D'accord, ah, allons-y. C'est spécial. Allons-y. Tout droit.
toujours une croquette sur moi. Mais des fois, comme je dis, ligne à droite, elle sait qu'au bout, il y a la récompense, elle fonce à toute allure. Je suis obligé que le maître chien me dit, il faut diminuer, parce qu'il y a avant, par intérêt. Non, mais bon, c'est... excellent. Dodo. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Ah là, c'est super, c'est magnifique. Hein. Ouais. Ah non, c'est magnifique. Hein. Ouais. Magnifique. Oh bah là. Ah, c'est des chiens qui sont et très dévoués. Elle a dévoués, une façon hein. de me regarder. Hein. Comment? Elle a une façon de me regarder. Ouais. Quand... Ah, avec ses petits yeux doux là. Ouais, ouais. Hein, elle joue l'enfant qui est ouais. traumatisé. Voilà. Ah non, mais c'est des bons chiens. Il faut reconnaître, moi je me rappelle étant jeune, il y avait de la morale, il y avait le respect, bonjour monsieur, tout ça. Mes parents, ils avaient une boulangerie-pâtisserie, si jamais je ne disais pas bonjour en rentrant dans la boutique, j'en recevais une avoine, c'était le signe de... Bah, c'est pour ça que j'ai le contact facile avec les gens, malgré mon handicap. Bah, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est... Non, moi c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Comme ça. Enfin, en tout cas... Il y a des gens bons, il y a des gens bien. Et voilà, comme vous, voilà. Il faut juste oser, il faut juste oser y aller, et puis voilà. Faut, oui, bah oui. Voilà, faut pas... De converser, c'est tout. Oui, bah oui, il faut... Changer les pensées. Même... Mais c'est vrai que quand on a un point au commun, où on se rapproche des gens, c'est tout naturel. C'est tout naturel. Oui, et puis bon, comme vous, c'est tellement que j'avais le contact facile. Comme moi, le contact facile, ça passe. Ouais. Les gens sont timides, ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas. Bon, après, vous avez des gens qui sont timides. Ils sont tellement submergés par leurs soucis. Oui, voilà, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Oui, on ne peut pas non plus. Bon, voilà. Le tout, c'est de sourire. Petit sourire, ça fait toujours plaisir. Ben, sourire, ça... Hein, ça... Ça redonne la gouache, hein, ouais. Ça redonne la pêche. Oui, oui, c'est hein, même par rapport à une autre personne, rien que ne serait-ce de dire bonjour avec un sourire. Voilà, vous lui avez chargé une batterie pour toute la journée. Sourire, non, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est vrai. Non, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. On va dire au revoir à cette belle petite femelle qui accompagne son maître au quotidien. Et elle vous facilite la tâche au quotidien, rien que pour l'amour du maître. Hein ? Bah oui. Oh bah oui. Alors, Malinois-Gun. Malinois-Gun, voilà, okay. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, donc, votre prénom. C'était un plaisir de discuter avec vous. Hein. Bah merci. Et votre prénom, c'est comment ? C'est Maurice. Maurice, vous m'autorisez donc à vous mettre sur YouTube ? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Je vous serre la main ? Oui, voilà. Je vous serre la main. Et au plaisir, et vous ? Bah, je vais vous laisser continuer à faire vos courses. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis profitez-en bien avec votre bête. Oui, allez, bien, Bulle. On va refaire demi-tour. Allez, hop.